Salut à tous, Altis pour Jeux Vidéo Magazine, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les 12 FPS confirmés sur PS5. Vous allez voir, il y a du lourd et il y a des trucs qui font baver, c'est parti. Et on commence tout de suite avec Battlefield 6. Et oui, un nouveau Battlefield est prévu. C'est en tout cas ce qu'a annoncé DICE avec une sortie normalement prévue pour 2021, donc 3 ans après la sortie du dernier Battlefield 5. Selon quelques journalistes bien informés, on pourrait même voir le retour de la guerre moderne dans Battlefield et peut-être aussi même un remaster du tant apprécié BF3. Ça, ce serait vraiment cool. Très récemment, il y a Laura Mill qui est la chef des studios EA et qui a déclaré que ces studios étaient en train de créer des batailles vraiment épiques, d'une fidélité extrême et des combats à une échelle comme on ne l'a jamais encore vu. Du coup, ça promet vraiment. Personnellement, j'espère vraiment un retour à une ère plus moderne pour Battlefield et j'espère qu'il arrivera très vite parce que franchement, ça nous manque. Alors Deathloop, c'est le nouveau jeu du studio français Arkane, qui est auteur de Dishonored ou encore de Prey, pour Bethesda. Il est prévu pour sortir en fin d'année 2020 sur PS5 et il tournera en 4K à 60 FPS. Alors dans Deathloop, vous incarnerez Colt, un prisonnier sur l'île de Black Reef et serez traqué par tous ses habitants. Vous serez également coincé dans une boucle temporelle et pour en sortir, vous devrez éliminer plusieurs cibles en une seule journée. Au cours de l'aventure, vous jouerez également Juliana et vos deux personnages auront leur propre style de gameplay avec des compétences très différentes. En tout cas, au niveau de la direction artistique, on peut dire que c'est franchement original et plutôt très racé. C'est vraiment superbe et on se croirait dans un mélange de films, je dirais entre The Mask, James Bond et Kingsman. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, la direction artistique, elle est vraiment de très haut niveau. Rainbow Six Quarantine, c'est un FPS tactique qui se jouera en coop à 3 joueurs dans l'univers de Rainbow Six. Vous connaissez sûrement R6 ou Rainbow Six Siege, ça va être un petit peu la version PVE de ce jeu. Alors depuis le trailer de l'E3 de l'année dernière, on n'a pas eu énormément de nouvelles sur ce jeu, mais a priori, on pourra contrôler les agents que l'on connaît de Rainbow Six et on devra lutter contre une race mutante. Alors soit ce sera des zombies, des créatures extraterrestres, mais selon le trailer, on peut quand même se dire qu'il se passe un truc pas normal, qui vont infecter les humains dans des missions vraiment intenses et imprévisibles. Ça a l'air complètement inquiétant, ça a l'air vraiment sombre, ça fait limite survival horror, ça va être très cool je pense. Et d'être en coop comme ça, on va vraiment bien s'amuser à mon avis. Il doit sortir cette année et il sera disponible sur PS5. Quantum Error est un FPS d'horreur développé par Team Kill Media dans lequel vous devrez jouer un pompier en chef en charge d'une très grosse mission. Une station de recherche est attaquée par une entité inconnue et apparemment le bâtiment est complètement en flammes. Votre but, ça sera de sauver le plus de vies possible avant de pouvoir ressortir et vous éjecter du bâtiment. Mais, et oui, il y a toujours un mais en général quand le scénario commence comme ça, une fois que vous serez rentré, attention à ne pas tomber dans la pénombre parce que vous allez découvrir des choses très étonnantes à l'intérieur. Quel teaser en tout cas. Les développeurs ont récemment expliqué qu'ils travaillent beaucoup sur la nouvelle manette PS5 DualSense et que chaque coup de feu fera vibrer la main qui tient l'arme en jeu. Ça va vraiment être stylé, ça limite ça va faire peur. Et que même si vous ouvrez une porte brûlante, c'est l'exemple qui disait, si vous l'ouvrez de la main gauche, il y aura une vibration de la manette qui vous fera ressentir quelque chose du côté de votre main gauche. Ça va être vraiment super stylé, ça va vraiment à mon avis ajouter à cette ambiance dark qui va faire vraiment peur. Alors si vous êtes vraiment peureux, je sais pas si Quantum Error sera pour vous, mais si vous aimez les émotions fortes, franchement ça peut valoir le coup de l'essayer à la sortie sur PS5. Le Battle Royale Free to Play de EA et de Respawn Entertainment arrive sans doute sur PS5, on le sait maintenant puisque le studio recrute actuellement des devs pour préparer une sortie next-gen. Si vous connaissez pas encore Apex Legends, je sais pas où vous vivez, mais c'est un jeu de tir
ultra fluide et rapide qui joue en mode Battle Royale. Il est sorti l'année dernière et il est très exigeant. Vous devrez avoir du skill mais aussi avoir une vraie vision stratégique si vous voulez remporter des victoires. Dans ce jeu, vous pouvez incarner plusieurs personnages légendaires qui ont tous des personnalités et des capacités différentes. Ça se passe en équipe de 3 et Apex Legends s'est imposé comme vraiment un pilier du genre du Battle Royale. Il sera d'ailleurs bientôt disponible en crossplay sur toutes les plateformes et donc disponible sur PS5. Warzone, le Battle Royale de Call of Duty qui est très populaire, va continuer d'exister même si un prochain Call of Duty sort. Il sera connecté au prochain épisode de la saga Call of. C'est Taylor Kurosaki, le directeur narratif d'Infinity Ward qui développe ce Warzone, qui a annoncé que leur plan était vraiment de continuer d'exister et que dès que des nouveaux systèmes vont faire leur apparition, donc des next-gen, ils les prendront en compte, ce qui signifie qu'en gros, on peut être sûr de pouvoir jouer à Warzone sur la map Verdansk sur PS5. D'ailleurs, au moment où je vous fais cette vidéo, Warzone est en train de tester pour la première fois 200 joueurs qui s'affrontent en squad sur ce Battle Royale. Du coup, on peut espérer même des BR à 200 joueurs sur PS5. Ça donne envie. Parlons maintenant de Destiny 2, le looter shooter de Bungie. Alors Bungie a annoncé récemment que Destiny 2 fera son arrivée sur les consoles nouvelle génération et donc sur PlayStation 5. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les achats sur PS4 seront mis à jour gratuitement vers la PS5. Et ça, c'est quand même inédit. D'ailleurs, Bungie a bien fait comprendre que la priorité n'était pas du tout de développer un Destiny 3, mais plutôt de continuer Destiny 2 avec des mises à jour régulières, des nouvelles saisons, etc., etc. D'ailleurs, il y a un prochain chapitre de la saga Destiny 2 qui arrive et qui s'appelle Au-delà de la lumière. Il arrivera le 22 septembre 2020. Et du coup, si vous le prenez sur PS4, eh bien, vous pourrez transférer votre progression, etc. sur la PS5. Et on va pas se le cacher, c'est plutôt cool. Rainbow Six Siege, est-ce qu'on doit encore présenter R6 ? Le FPS compétitif d'Ubisoft sera bien présent et fera partie de la grande fête sur PlayStation 5 dès la sortie de la console. C'est en tout cas le souhait de ses développeurs et c'est plutôt cool. Le jeu sera cross-gen, c'est-à-dire que vous pourrez même jouer sur PS5 avec vos amis qui jouent sur PS4. Pour venir sur R6, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, il y a déjà 50 millions de joueurs, c'est un FPS compétitif ultra tactique. Et si vous n'y avez pas encore joué, bah écoutez, peut-être que sur PlayStation 5, ce sera le moment de vous y mettre. En tout cas, si vous êtes un joueur de R6 sur PS4, et bah écoutez, préparez-vous, ça va arriver sur PS5 et on espère, pourquoi pas, avec plus de FPS, des graphismes encore plus beaux, sait-on jamais. Cyberpunk 2077, et oui, c'est l'un des jeux les plus attendus de cette année, mais peut-être même les plus attendus de la décennie, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce jeu d'action RPG dans un monde futuriste, dans cette ville de Night City qui nous donne tellement envie, et bah c'est aussi un FPS, faut le dire, on sera en vue à la première personne uniquement. Et on aura également des phases de tir où on devra shooter avec des armes les plus folles les unes que les autres. Alors Cyberpunk, il est prévu pour sortir le 19 novembre 2020 et il sera probablement l'un des premiers jeux que vous serez nombreux à acquérir sur PS5. Alors on a vraiment hâte d'être sur PS5 pour profiter de la puissance de la machine, d'aller se modifier corporellement et d'aller faire des missions dans Night City et d'explorer toute la ville. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. C'est un jeu sombre de vampires qui se déroule dans une ville de Seattle dirigée par les vampires. Dans ce monde créé par Hardsuit Labs pour Paradox Interactive, vous devrez survivre dans un monde vraiment dangereux avec des vampires assoiffés de sang et surtout de pouvoir. En tant que petit nouveau, vous devrez vous nourrir, rejoindre une faction, trouver des alliés pour naviguer dans un monde très hostile. Alors graphiquement, le jeu a l'air incroyable, le storytelling a l'air franchement fou et vraiment intéressant et c'est avec beaucoup d'excitation qu'on attend de mettre la main sur ce jeu qui sera évidemment disponible, alors a priori en 2020, sur PS5. Et quand on voit les trailers, ça donne vraiment envie de vivre une vie de vampire.
Le nouveau BioShock a été annoncé par 2K Games en décembre dernier et a priori il faudra attendre encore quelques années avant de le voir sortir, donc préparez-vous plutôt pour 2021 ou 2022, mais en tout cas ça fait déjà 7 ans que le dernier épisode de BioShock est sorti, il va falloir se montrer patient car pour le moment je vais vous avouer qu'on n'a pas énormément d'informations sur le prochain épisode de la saga. Ce que qu'on peut vous dire, c'est que 2K Games a créé un nouveau studio pour développer ce nouveau BioShock, et que selon des annonces de recrutement qui ont été évidemment épiées et observées, et bien l'équipe, ce nouveau studio de BioShock, cherchait à un moment, il y a quelques années déjà, quelqu'un pour s'occuper du multijoueur. Donc ce serait sûrement le retour du multijoueur dans BioShock. À part ça, on aura des news sûrement très bientôt. Enfin, on va parler de Ghostwire Tokyo. Alors le pitch, je vous le fais là, il est imparable. 99% de la population a disparu lors d'un événement paranormal. Les esprits du folklore japonais en profitent pour envahir les rues de Tokyo et vous, vous êtes là pour sauver la ville. Ça, si c'est pas du pitch, franchement, ça donne envie. Dans Ghostwire Tokyo, vous avez la possibilité de sauver Tokyo sur PS5 avec la nouvelle manette DualSense qui vous fera ressentir chaque compétence et chaque action de votre personnage. Ça a l'air bien barré, ça a l'air bien fou. On se demande qu'est-ce que c'était cet événement paranormal, mais en tout cas, on est en présence d'un jeu qui a l'air vraiment unique, et se battre contre des fantômes dans les rues comme ça japonaises de Tokyo, ça va être une expérience que j'ai très très hâte de vivre. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. 12 FPS qui sont prévus sur PS5. C'était Altice, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur Jeux Vidéo Magazine. Ciao à tous.